Ah, je suis là, hein. Je sais pas Ah si bonjour, tu... bonjour mon frère, comment tu vas? Oui, ça va. Je suis en train de. On a jusqu'à quelle heure? On Parce qu'il est a 13 heures. à peu près 40, 50 minutes. On a D'accord. 50 minutes. On va y aller tout de Merci à suite. Autopatrick pour ce Elle a cœur. bombardé déjà les likes. Oui, comme Se voit pas d'habitude. pour le moment. En train de. Voilà, hop, hop, allez, c'est bon. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Moi, chez moi, ça va très, très bien. Très, très bien. Jusqu'à ça me surprend même, je ne sais pas quoi dire parce que je me sens spécialement bien. Voilà. Je me sens spécialement bien et je veux partager cette joie-là avec vous. Et on va parler de certaines choses aujourd'hui qui sont importantes et qui malheureusement créent tellement de divisions. Tellement de divisions. Alors que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, on a vraiment besoin d'être ensemble, d'être unis pour combattre l'assaut final qui est en train de se faire actuellement et pour être définitivement libre et indépendant. Voilà. Alors, Maître Zoku, Oui. toi, chez toi, ça va, j'espère. Oui, ça va. Ok, Ça d'accord. va. Alors, est-ce que tu peux nous faire une introduction rapidement par rapport au live d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous allons parler de, comme vous l'avez vu en commentaire, nous allons parler du thème suivant, prosélytisme et liberté individuelle. Parce que de plus en plus, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est parfois assailli par des gens qui évangélisent et parfois aussi des kamites qui, eux aussi, prêchent, veulent gagner des âmes, comme on le dit. Aujourd'hui, on va essayer de voir si ce prosélytisme-là n'est pas excessif. Voilà. Est-ce que réellement c'est ce que Dieu a demandé ou doivent s'arrêter ces gens-là qui font le prosélytisme? Qu'est-ce qu'il faut admettre? Qu'est-ce qu'il faut tolérer? Qu'est-ce qu'il faut pas tolérer dans ce genre de prosélytisme? Mais Voilà globalement. le prosélytisme, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer? Oui, le prosélytisme, bon, c'est le fait de faire la propagande d'un enseignement religieux, d'une doctrine religieuse, voilà, maintenant, en n'ayant pas consulté le dictionnaire pour avoir une La définition définition précise, ouais, littérale. c'est non seulement des discours pour convertir, pour gagner des gens à notre enseignement religieux, mais c'est ça se caractérise par de l'activisme, c'est-à-dire on déploie des actions, c'est le fait d'être très actif pour gagner des âmes. C'est un peu ça le prosélytisme. C'est-à-dire, Voilà. si je donne un exemple, par exemple, les gens qui se promènent dans la rue, Jésus t'aime, Voilà. donne ta vie à Jésus, ou bien dans le métro, Voilà. dans le bus, ou bien dans le guaca, ou bien Oui. devant les églises, Voilà. viens, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer si jamais tu donnes pas ta vie à Jésus, ou bien si tu n'es pas musulman, tu es un kafri, tu es quelqu'un, tu n'es pas sauvé, tu vas aller en enfer, Voilà. ou bien si tu n'es pas kamite, vraiment, toi tu vas. Tu es fou, tu es débile, tu es aliéné, tu es ceci, tu es cela, tu comprends rien. Il y a quoi encore? Oui, tous ceux qui sont pas dans le bouddhisme, franchement, eux, ils sont à côté de la plaque parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les vertus et les machins de ceci. C'est ça, non? Oui, je pense. En attendant que je jette un coup d'œil dans le dictionnaire pour avoir, voilà, pour avoir une idée beaucoup plus précise. Le prosélytisme,
zèle déployé pour répandre la foi, pour faire des adeptes, des prosélytes. Voilà, donc voilà. Selon l'une de mes sources ici, c'est un zèle. Voilà. Et on va prendre une autre définition pour aller un peu plus vite. Le prosélytisme, voilà, c'est le zèle pour recruter de nouveaux adeptes, pour imposer son point de vue. Donc, vous voyez, c'est ça un peu le prosélytisme. C'est l'ardeur qu'on met pour gagner des gens à notre religion, à notre idéologie et Croyance. à voilà, à notre point de vue, à notre doctrine. Voilà, c'est un zèle. Voilà, donc, ce n'est pas une simple tentative. Non, c'est un zèle. Et il faut qu'on sente que on est chaud, on est actif, on est remuant, voilà, c'est un peu ça le prosélytisme, le zèle, une débauche d'énergie. Et souvent, ça peut avoir une connotation négative. Voilà. C'est un peu intempestif, parfois c'est excessif parce que c'est un zèle. Donc, qui parle de zèle parle souvent d'attitude qui. Un D'exagération. peu d'exagération. Un peu d'exagération. Donc, c'est ça. OK. Donc, on Donc, peut y aller. aujourd'hui, moi, j'ai un constat que je peux faire, c'est que l'Afrique, en particulier, parce que bon, c'est l'Afrique qui m'intéresse, hein. Sincèrement, en fait, tous nos trucs à moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse, c'est Kama qui m'intéresse. Et les populations de Kama, c'est eux qui sont mon centre d'intérêt actuellement, le plus profond. Alors, en Afrique, on constate que les choses n'avancent pas vite parce que, en fait, quand on fait une analyse de tout ce qui se passe, on se rend compte que nous sommes divisés, divisés dans les points de vue, dans les croyances, dans les religions, dans tout ce genre de choses-là. Et chacun pense que il a raison, par exemple, d'être chrétien évangéliste. Déjà, même dans la sphère des chrétiens, pour commencer, les évangéliques et les catholiques, il y a déjà une bataille qui se fait par rapport au dogme que chacun transporte dans sa croyance. Ce qui fait qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas l'esprit assez vif et l'esprit assez ouvert, ils sont capables d'être en désaccord sur les choses les plus simples qui peuvent faire avancer tout le monde, hein. Mais comme moi je suis évangélique, comme moi je suis catholique, on peut pas parler, on peut pas s'entendre, on peut pas aller dans la même direction du combat, par exemple, pour être libre, pour être indépendant par rapport aux vrais problèmes que nous voyons, nous tous, quelles que soient nos religions. Et ça, c'est un fléau, c'est une plaie béante qui est sur l'Afrique et qui fait que l'ennemi de l'Afrique, lui, il se régale. Il se repaît, non, c'est ça, non? C'est-à-dire qu'il profite de ça pour gérer, en fait, toute la masse. Je donne l'exemple, par exemple, du Mali. Aujourd'hui, il y a un climat de ni paix ni guerre qui stagne doucement au Mali, avec le nouveau pouvoir du Mali qui est en train de faire tout pour que ce pays-là soit au moins indépendant sur le plan militaire. D'abord pour commencer. Mais on entend des bruits comme quoi il y a des groupements religieux tels que les musulmans qui veulent absolument que le Mali fonctionne comme les musulmans doivent fonctionner en Arabie Saoudite. Il y en a d'autres, par contre, qui disent que non, ils veulent que le Mali fonctionne comme les animistes fonctionnent dans le pays Dogon. Il y en a d'autres qui veulent que le Mali fonctionne comme les chrétiens, et ceci, cela, parce qu'il y a tout. Et par rapport à ça, les problèmes les plus urgent du Mali, qui est la cohésion nationale, l'unité nationale en face de l'ennemi qui n'est pas parti spirituellement, qui n'est pas parti économiquement, mais qui est là, qui est parti peut-être militairement, mais qui est là, et qui pouvoir justement alimenter cette division entre les gens par rapport à la religion, par exemple, ben, c'est un danger permanent sur la tête des autorités du Mali. C'est un danger permanent. Parce que simplement, il y a des gens qui sont. Ils sont pas d'accord sur certains points qui sont en fait des libertés individuelles. Chacun est libre de croire en qui il veut, en ce qu'il veut. Ça là, il faut que les gens puissent comprendre et que ça rentre bien dans la tête. Donc, il ne sert à rien d'être zélé
toiler maintenant, essayer de faire le combat de l'énergie créatrice même qui a créé tout et tout le monde. Des fois, je vois, regarde des gens, puis je les vois en Django. Ça dit que c'est le gars du corps de Dieu qui est là, quoi. La personne qui est en face de moi, là. Quelle que soit la religion, hein, c'est l'être humain qui est là, qui peut disparaître à un claquement de doigts. C'est lui ou elle qui est le gars du corps du créateur, de l'énergie créatrice qu'on appelle Dieu. Vous comprenez? Radio Bonoré, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, je pense avoir les commentaires. Donc vraiment, c'est délicat. C'est un sujet qui est très important. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que on va passer une vitesse supérieure, les gars. Moi-même, où je suis là, actuellement, là, je suis en train de réfléchir pour entrer dans un parti politique. Le temps est venu pour moi de choisir vraiment une direction, de rentrer dans le combat, même vraiment de façon définitive pour régler tout le problème là. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me tâter, en train de voir, d'essayer de comprendre et d'apporter ma pierre à l'édifice. Sincèrement, je veux plus rester sur le côté là à bavarder pour rien. Et ne pas être engagé maintenant dans la lutte vraiment sur le, parce qu'il faut rentrer forcément dans un groupe de personnes, dans un groupe, parce qu'il faut être dans une union quelque part pour pouvoir faire le job. Parce que en individuel, on peut pas aller quelque part. On va essayer de convaincre les gens, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais si on est en groupe et que le problème le plus compliqué, on le règle immédiatement, le reste maintenant, on pourra gérer. On pourra gérer le reste en nous tranquillement. Donc voilà ce qu'il en est. Paul Vert, il rigole. Il rigole pourquoi, Paul Vert? Est-ce que tu peux me donner la source de ton... Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de clownesque ou bien de rigolo, mais est-ce que tu peux me donner ton... pour que je rie avec toi, quoi. Si vraiment c'est drôle. Paul Vert. Le frère Paul Vert. J'attends ta réponse et puis on va continuer. Non, sincèrement. Sincèrement, moi, je suis en train de réfléchir et je pense que je vais prendre ma décision très bientôt. Très bientôt pour adhérer dans un mouvement politique pour pouvoir passer à une vitesse supérieure dans le combat. L'artiste est prêt. Oui, je suis prêt maintenant. Oui, en effet. j'ai toujours été, je dirais pas prêt, mais j'ai toujours eu ma conviction. Mais seulement maintenant, je suis prêt à changer de vitesse, à passer à autre chose. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce prosélytisme dont nous parlons est comme un grains de sable dans nos chaussures qui nous dérange parce que on passe à côté des sujets les plus importants. La religion, les croyances, c'est une bonne chose pour chacun qui les pratique, puisque si tu pratiques, c'est que c'est bon pour toi, quelle que soit la religion que tu suis, quel que soit les dogmes que tu suis. Vous voyez, non? Mais où on est arrivé là? Il faut qu'on mette ça de côté pour avancer maintenant. Pour avancer maintenant dans le vrai combat. Parce que c'est pas du jeu. Les gens sont aux abois. Ceux qui avaient l'habitude de mettre le genou sur l'Afrique pendant 600 ans, là. Aujourd'hui, les gars sont complètement paumés, complètement perdus. Les gars sont ébranlés et ils sont capables de faire tout et n'importe quoi pour garder leur genou sur l'Afrique. Et nous aussi, de notre côté, on est capable de faire tout et n'importe quoi pour les empêcher de faire ça. On peut pas être désunis contre ces gens qui sont, eux, par contre, très, 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 très unis. Ça, c'est important. Il est temps maintenant d'ouvrir nos yeux et de chercher maintenant les alliés partout où on peut pour pouvoir terminer ce combat-là et puis maintenant passer à autre chose. Mais si on a des zélés religieux qui nous embrouillent à travers leur prosélytisme, à travers leur croyance, et nous aussi, dans nos réactions, par exemple, aujourd'hui, on voit sur la toile beaucoup de kamites qui insultent les chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui insultent les kamites. Beaucoup de musulmans qui insultent les kamites. Et ainsi de suite. On ne voit que des choses dans les posts, dans les commentaires, là. Non, imbécile comme les musulmans, imbécile comme les chrétiens. L'autre, non, imbécile comme les kamites, imbécile comme les ceci. Alors que le vrai problème, c'est Dieu. Autosuffisance alimentaire en Afrique. Que tu sois musulman, chrétien, ou bien quoi, Dieu, si tu ne manges pas, là, tu es mort. Si les bateaux là se fâchent et puis ils ne viennent plus nous envoyer du riz, là, on est mort. Vous comprenez? On est mort. Donc, maintenant, là,
Il est temps d'être. Oh, ma reine est là, Naya Kuti Ditimi. Les gars, faut applaudir la dame là. Il faut applaudir la reine là, Naya Kuti Ditimi, parce que c'est elle-même qui m'a inspiré même pour commencer à faire des vidéos dans une certaine direction. Sincèrement, c'est une dame, une sœur, mais c'est une reine, c'est une queen ivoirienne qui fait un boulot. Vous n'avez, il est important de parler des gens. C'est important que je le dise aujourd'hui, parce qu'elle aussi, elle est tellement dans son petit coin, elle est tellement humble dans son petit coin là-bas. Il faut qu'on dise un peu. C'est vrai. C'est important. Elle travaille. Elle travaille sur un aspect qui est vital. Écoutez bien. Elle travaille sur un aspect qui est ultra vital pour les Ivoiriens, pour les Africains. Pour les Ivoiriens, pour les Africains et même pour le monde. C'est une dame qui s'en va s'attarder à aller chercher toutes les graines naturelles, bio, de tout ce qu'on mange là. Gombo, aubergine, piment, tomate, tous ces trucs-là. Puisque les gens maintenant, ils nous envoient des OGM, des trucs de merde pour pouvoir nous empoisonner là. Elle s'en va chercher ce qui est naturel. Et puis maintenant, elle en fait maintenant des greniers pour avoir des graines, des semences pour planter, pour que nous puissions avoir toujours une nourriture bio dans le pays. Elle se promène dans toute la Côte d'Ivoire là pour faire ça en association avec des femmes du pays qui connaissent la terre. Ce travail-là, là, est-ce que vous avez conscience de l'importance de ce qu'elle fait? Mais elle n'est pas connue. On ne la voit pas à la télévision. Les gars ne l'invitent pas à la radio. Dans tous ces coins où elle doit être. Voilà les vraies influenceuses. Voilà les vraies personnes qu'il faut suivre. Mais les gens n'ont pas idée. Eux, c'est... J'ai pas envie d'être... Mais... Allez regarder les pages des... Non, je ne vais pas dire ça. Allez regarder les pages des influenceurs à 2,50 $. Les pages des gens qui vont vous montrer, en fait, la tête de la pyramide au lieu de vous montrer la base. Comment on fait? Parce que devant la base est tellement fausse que les gens ne peuvent pas vous montrer la base où ils ont commencé. Mais ils vont vous montrer quand ils sont dans un jet privé. Ils vont vous montrer quand ils sont dans les hôtels de luxe. Les faux influenceurs, là, ils vont vous montrer quand ils sont dans les grands magasins de luxe en train d'acheter des choses de millions. Ils vont vous montrer quand ils se promènent, ils sont invités dans les grands coins, mais ils vont pas vous montrer par où ils ont commencé pour arriver là. Et tout ce qui va se passer dans vos têtes, c'est l'admiration, je dirais l'admiration même, j'ai pas dit débile, mais une admiration aveugle. Vous admirez des gens à l'aveuglette. Vous ne connaissez rien de leur vie. Vous ne savez rien de ce qu'ils ont fait pour arriver où ils sont, mais vous avez envie d'être comme eux automatiquement. Or, vous ne savez pas comment on fait pour arriver là-bas. Et les gens ne vous expliquent pas. Ou bien vous vous mentiez pour dire qu'eux, ils ont fait leur chaîne de restaurant avec deux grains de riz qu'ils ont coupé en deux et puis ils ont vendu jusqu'à... Maintenant, ils sont devenus maintenant propriétaires des chaînes de restaurants. Alors que c'est faux. C'est pas vrai. Mais bref, j'ai fait cette petite digression-là pour vous expliquer en fait... l'importance de l'union que nous devons faire autour de notre continent Kama, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos croyances. Donc, je voudrais dire à tous les prosélytes, là, à tous les gens qui sont là, si tu n'es pas dans mon truc, tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas dans ceci, tu n'es pas sauvé. Ce qui fait que comme tu n'es pas dans mon truc, je ne parle pas à toi. Là. Comme tu n'es pas dans mon truc, je ne parle pas à toi. Là. Vous, là, faut vous calmer. Hein. Il faut vous calmer parce que maintenant, on va commencer à se mettre contre vous. On va commencer à vous dénoncer. On va commencer même, je dirais, à vous ridiculiser. Réellement. Parce que vos histoires, là, ça ne fait pas avancer Kama. Ça ne fait pas avancer nos vies. Ça n'améliore rien du tout dans la vie du simple citoyen qui ne croit en rien du tout d'ailleurs. Parce que si c'était une affaire de prière là, qui sauvait un continent, bien qui sauvait un pays, bien qui sauvait des gens, en Afrique, là, il n'y a pas plus prieur que nous. Sur le continent des Kamas. Je ne sais pas s'il y a un continent qui prie plus que l'Afrique. Mais l'Afrique est toujours dans la merde jusqu'à aujourd'hui. Il est grand temps maintenant qu'on est intelligent. On dit que c'est les imbéciles qui ne changent pas. Mais quand tu n'es pas imbécile, à un moment donné, tu te dis, bon d'accord, la prière, ce n'est pas mauvais. C'est bon. Mais je pense qu'on va essayer de travailler d'abord. Et puis maintenant, chacun dans sa maison, il va prier comme il veut. Mais le plus important, qu'on sorte de chez nous, là, on s'en nous tous faire le même bara fort, dur, pour faire avancer les choses. Oui, je crois que mon gars, essayons de revenir un peu dans le thème.
Oui, c'est pour ça que j'ai Et tu tenu dis ta que parole. on s'arrête à quelle heure? 13h45. 50. D'accord, donc on a 30 minutes. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de prosélytisme et de liberté individuelle. Donc chaque fois, je crois que c'est arrivé à plus d'un d'entre vous, hein, vous allez dans le métro, même vous êtes assis au maquis en train de consommer votre plat ou bien votre boisson. Il y a des gens qui viennent pour vous évangéliser, qui parfois même dans les quartiers, ils rentrent dans les cours, ils viennent pour vous évangéliser. À mon avis, parfois on tombe dans l'excès, à mon avis. Parce que quelqu'un qui est dans le métro, silencieusement, en train de consulter des messages ou bien, et vous venez de façon bruyante faire délivrer votre message, votre prêche. À mon avis, l'endroit n'est pas indiqué. C'est-à-dire, c'est bien d'être zélé. On croit pouvoir agir pour une bonne cause, mais si on n'y met pas la sagesse, si on n'y met pas la sagesse, si on n'y met pas un peu de retenue, on va même à contre-courant de ce qu'on prêche. Je veux dire, on court même le risque de refouler ce qu'on veut convaincre en se montrant comme des gens intempestifs, des gens indésirables. On court le risque d'être mal jugé, de créer même un sentiment de rejet chez ceux qu'on veut convaincre. Donc moi, j'ai l'impression que ce problème-là, il est un peu délicat, il est un peu gênant. Personne ne peut interdire à autrui d'essayer de gagner des âmes, d'amener son frère ou sa sœur sur sa voie spirituelle. Je crois qu'on ne peut pas dire que on ne doit pas convaincre les autres. Les musulmans cherchent à islamiser, les chrétiens cherchent à christianiser, les bouddhistes, ils ont leur façon de gagner des âmes. Chacun, voilà, je veux dire que chacun a ses méthodes pour recruter. Ce n'est pas le fait de vouloir recruter, de partager sa conviction. Ce n'est pas ça qui est mauvais. Mais dans la manière de le faire, il faut se donner certaines limites. Moi, par exemple, je vois en mal le fait que dans le bus, quelqu'un se lève à haute voix et commence à prêcher. Ce n'est pas le lieu indiqué pour ça. Voilà. Les gens qui font des évangélisations en plein air, en bonne et due forme, s'ils ont pris des autorisations qui leur donnent le droit d'occuper un espace pour un temps, je trouve que c'est plus approprié. Parce que les gens, sur un espace public, ils font un regroupement, ils font leur truc, ils ont demandé des autorisations. Pour moi, c'est normal. Si ça ne t'intéresse pas, tu contournes, tu passes ton chemin. Mais venir trouver quelqu'un dans sa zone à lui, dans ses 25 mètres, et commencer à parler, ça c'est de l'intrusion. À mon avis même, c'est une entorse aux lois spirituelles, hein. C'est une interférence. Parce que quand on dit la liberté notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, c'est une règle de politesse, mais en dessous, c'est aussi une loi spirituelle, hein. Chacun est libre, chacun a droit à sa quiétude, chacun a droit à son espace. Voilà, quelqu'un qui est assis tranquillement dans le métro ou bien dans le bus, il est assis tranquillement. Ça, c'est son droit de quiétude. Là où il est, il a droit à la tranquillité. Et vous venez crier. Oui, mon frère, tu es condamné. La vie que tu mènes n'est pas bonne. D'abord même, il y a de la nuisance sonore. Et puis, à la longue, ça va donner une mauvaise image de vous. Rentrer dans les bureaux des gens à des heures indues. S'introduire dans les maquis au moment où les gens sont en train de causer, de go, de s'échanger les contacts. Et puis c'est maintenant toi, tu viens. Est-ce que c'est le lieu pour ça? À mon avis, c'est bien, l'intention est peut-être bonne. Mais il faut trouver la manière. Voilà, la sagesse là.
La sagesse, là, elle se trouve dans la manière, dans la procédure. Si parce que ce que tu fais est bon, si parce que ce que tu fais là, le but c'est de sauver l'autre, si pour cette raison-là, tu peux faire comme tu veux, en ce moment, où est la sagesse? Si parce que ton intention est bonne, ça te dédouane de la manière d'agir. Si parce que pour une bonne intention, ça doit justifier que tu fasses comme tu l'entends en ce moment-là, où est la raison d'être de la sagesse? Parce que la sagesse, là, c'est dans la procédure, c'est dans la manière. Souvent même, les gens sages qui résolvent les conflits, là, qu'est-ce qu'on leur reconnaît? Mais il va dire la même chose que toi, mais sa façon de dire, là, ça crée le consensus. Il peut même te dire que tu as tort, mais sans te gêner. Donc, en toute chose, essayons d'avoir de la sagesse. Je ne nie pas aux gens leur droit de chercher à convaincre, parce que celui même que tu approches pour celui que tu cherches à convaincre, peut-être qu'il a besoin de ce message-là, peut-être qu'il est dans une situation de sa vie, il est dans des questionnements, ou peut-être que toi, ce que tu apportes comme enseignement, peut-être que ça répond à son besoin, à ses attentes cachées. Je dis pas non, mais il faut de la mesure, il faut un peu de bon sens, il faut du discernement. Faut pas être envahissant. Faut pas être envahissant. Parce que ce qu'on ne comprend pas, peut-être, il y a des lois spirituelles, hein. Il y a la loi de non-ingérence, il y a la loi de non-interférence. Tu n'as pas le droit d'interférer dans l'espace de quelqu'un, à moins qu'il je ne sais même pas comment le dire. Invité, Voilà. invité. Voilà. À moins qu'il ne t'y ait invité. Je voulais ajouter le Y là. Voilà. À moins qu'il ne t'y ait invité. Oui. Donc, il y a des approches polies. Excusez-moi, oui, tant, 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 oui, je voudrais partager avec vous quelque chose. Je suis un chrétien. Si le monsieur dit n'est pas intéressé, mais tu n'insistes pas, tu passes ton chemin. Tu n'as pas le droit de t'imposer à l'autre contre son gré. Ça ne se fait pas. Et je vous dis, le fait de le faire là, tu violes une loi spirituelle. Et, excusez-moi, toute loi spirituelle violée, ça t'amène forcément, que tu crois ou que tu ne crois pas, tu vas subir les conséquences. Hein. Une sanction. Voilà. On est libre de faire ce qu'on veut, mais on n'est pas libre des conséquences de ce qu'on a fait. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Donc, voilà ce que je voudrais dire pour interpeller un peu les prosélytes. Et excusez-moi, cela se remarque surtout chez nos frères évangéliques. Au niveau des musulmans, je ne sens pas trop du prosélytisme intempestif. Moi, je ne le vois pas. Au niveau des catholiques, je ne le sens pas trop. Il y a quelques égarements, mais globalement, non, ils restent dans leur contexte. Au niveau des Kabites, il y a des débordements. Dans une approche véridique et puis neutre, on va interpeller tout le monde. Tout le monde, que vous soyez catholique, musulman, kamite ou quoi, respectez la liberté des gens. Ne vous rendez pas indésirable dans l'espace des gens, dans leur espace privé. C'est une faute spirituelle. C'est pas parce qu'on est animé de bonnes intentions qu'on n'enfreint pas les lois spirituelles. C'est un peu le problème de certains de nos frères. Parce qu'ils veulent sauver l'âme, parce qu'ils veulent annoncer Jésus, donc ils se croient affranchis de toutes les limites. Non, 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 vous allez faire des erreurs. Et beaucoup même payent ces erreurs-là. Parce que le karma qui est là, l'une des particularités du karma, c'est que c'est l'une des lois les plus sournoises au monde. C'est-à-dire que ça te frappe sans défaillance et puis sans justification. C'est-à-dire au moment où tu es en train de recevoir les conséquences des mauvais actes que tu as posés là. Au moment où les conséquences te frappent là, la nature ne te donne pas de justification, hein. Et puis là, tu te rappelles même pas, même Tu tu te ne te rappelles pas souviens pas d'où de ton malheur pourquoi. vient. Voilà. Voilà, tu te rappelles pas d'où ton malheur vient. Donc, c'est l'un des pièges dans lequel il faut éviter. C'est-à-dire, par bon sens même, par bon sens, par scrupule moral même, avant d'agir, il faut se poser des questions. Imaginez que moi, je n'ai pas envie d'entendre certaines choses, mais je ne suis pas d'humeur à entendre et quelqu'un me met dans une situation où je suis obligé de l'entendre quand même. Est-ce que ça va me plaire? Il y a la liberté individuelle. Il y a le droit à ta quiétude, à ta tranquillité.
Tu es chez toi, il y a quelque chose dont tu n'as pas envie et on veut te l'imposer. On ne peut pas sauver quelqu'un contre son gré. Ça n'a jamais existé. Même Jésus, même là. Jésus, là. Fouillez-moi dans l'évangile. Montrez-moi un seul passage où il a tenté de faire quelque chose contre le gré des autres. Il se mettait quelque part dans un espace et puis ceux qui étaient intéressés venaient pour écouter. Jusqu'à avoir faim, jusqu'à être là, jusqu'à 1 heure tardive, parce qu'ils étaient intéressés par ce qu'ils entendaient. Jusqu'à 1 heure tardive, et Jésus même qui dit, voilà, les gens sont venus, ils ont tellement écouté que maintenant ils ont faim. Donnez-les à manger. Ça veut dire qu'ils sont restés au-delà même de leur parce qu'ils étaient intéressés par ce qu'il dit. Donc voilà un peu ce sur quoi je voudrais un peu attirer l'attention de tout le monde. Attirer l'attention de tout le monde. Évitons de faire des erreurs qu'on va payer après. Une loi spirituelle qui est, comment on peut dire, qui n'est pas respectée, une loi qui est enfreinte, Oui, il y a des je conséquences pense. inévitables. C'est pas possible. Ne croyez pas que parce que vous confessez vos péchés, ça va annuler la conséquence. Non, 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 non. À mon avis, c'est une erreur. Même quand vous prenez la Bible, moi-même, j'ai discuté avec des pasteurs. J'ai demandé au pasteur, mais pourquoi Saint-Paul est mort de façon atroce? Il m'a dit, mon frère, mon petit, même si Dieu va te donner la vie éternelle, là, tu dois payer les conséquences pénales des actes que tu as commis sur cette terre-là. Ce gars-là, il a tué beaucoup d'hommes. Maintenant, il est venu dans les grâces de Dieu, mais il doit le payer. Même s'il doit aller au paradis, au moins pour ce qu'il a fait là, il faut qu'il paye. Le prophète Élisée, qui était un homme de feu, qui a lancé une malédiction, des lions sont venus manger des enfants. Mais comment il est mort? Il est mort péniblement dans la maladie. C'est des questions que je me pose. Si tant est qu'il avait le feu, il faisait des miracles, pourquoi il est mort comme ça? On m'a dit non, mais il avait la vie éternelle, il avait le salut, mais il a posé des actes pénalement. Bon, c'est un peu comme le droit, hein? Tu as fait quelque chose, il faut payer. Donc faisons Répréhensible. attention de ne pas aller indisposer les gens chez eux ou bien indisposer les gens dans leur droit de quiétude. C'est une erreur. C'est pas parce que on pense qu'on veut sauver les gens. C'est pas parce qu'on pense qu'on est animé d'intentions bonnes, salvatrices pour notre prochain que tu vas t'y prendre n'importe comment. C'est une grosse erreur. Le manque de sagesse, ça nous expose à beaucoup de choses qu'on ne comprend pas après. Donc voilà ce que je voudrais dire, Bwakwasi. Ouais, merci beaucoup. Alors, s'il y a des gens qui veulent. Attends, il reste combien de temps? Ah, il reste 15 minutes à peu près. S'il y a des gens qui veulent participer, envoyer leur grain de sel, bonjour à Mauricette Polo, maman. Bonjour à Stéphanie Daï, gros bisous à toi. Paul va aller, il demande la prochaine vidéo, c'est quand? Là, on peut pas te dire, hein. C'est des choses qui viennent avec le feeling. Voilà. Quadio Brun aurait dit, les gens oublient que la nature a mémoire et qu'elle n'oublie rien. La nature enregistre tous les actes que nous posons. Tôt ou tard, tu vas payer tous tes actes. Ça, c'est clair. Ça, là, C'est clair. c'est. Les gens, quand ils parlent de spiritualité, souvent, j'ai l'impression que ils sont sur une planète et puis ils oublient qu'ils vivent sur une planète où il y a des lois naturelles qui sont infalsifiables, qui sont intransigeantes, qui agissent que tu le veuilles ou non. Par exemple, la loi de l'attraction. Si tu prends un caillou, que tu le lances en l'air, si tu crois, ou bien si tu ne crois pas que le caillou va redescendre, mon ami, le caillou, il va redescendre. Tu comprends? C'est comme ça. C'est des lois naturelles qui nous régissent sur cette terre-là. Quand tu nais, tu es bébé, tu grandis, tu vieillis, tu meurs. Si tu crois, tu crois pas, un jour, si tu es né là, un jour, tu vas mourir. C'est des lois. Tu peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Si tu plantes une graine de piment dans un terrain fertile, ce qui va pousser là, c'est pas fraise, c'est pas pomme, c'est pas mangue, c'est piment qui a sorti. C'est une loi qui nous régit sur la terre naturelle, qui agit, qu'on le veuille ou non. Mais c'est pareil quand on pose des actes. Les actes que tu poses là,
Si c'est un acte pimenté que tu as planté dans le cœur de quelqu'un, eh bien le retour te sera des fruits pimentés qui vont te revenir de quelque part d'autre. Et quand tu ne t'y attends pas, c'est comme ça, c'est la loi. Que tu crois, que tu ne crois pas, au moment venu, ça va te frapper. C'est comme ça. Quand c'est le bien que tu plantes dans le cœur de quelqu'un, que tu crois, que tu ne crois pas, au moment venu aussi, ce bien-là va te t'adoucir, te récompenser, bien te sauver à un moment donné, parce que c'est la loi de la semence. C'est comme ça, c'est une loi naturelle, spirituelle, qui existe sur cette terre depuis la création et qui existera jusqu'à la fin des temps. Donc, les gars, ça ne sert à rien de forcer les gens. Ça ne sert à rien d'obliger les gens. Ça ne sert à rien de vouloir même influencer les gens de façon violente, parce que moi, j'appelle ça aussi la violence. Tu es assis dans ton coin quelque part un coup. Jésus t'aime! Et si tu sais que Jésus t'aime, c'est ton sauveur. Si tu ne pries pas, tu vas aller. Si tu ne convertis pas, tu vas aller en enfer. Si Joe, c'est violence, la violence. C'est de la violence psychologique. Parce que le gars même, il est là, assis dans son coin, bien coup, tu lui dis ça. Il va aller réfléchir à tous les problèmes que j'ai là. C'est parce que j'ai pas fait de Jésus dans ma vie. Et puis la personne va commencer à créer un stress. La personne, si jamais elle est diabétique, qu'elle a des problèmes cardiaques, eh bien, la personne peut faire une crise cardiaque par rapport à la peur, à la crainte, à l'angoisse, au stress qui est dû à un individu dans la rue de là-bas qui a crié « Jésus t'aime, si tu ne te convertis pas, tu vas mourir. » C'est de la violence. Les gens n'ont même pas conscience de ça. Les gens n'ont même pas conscience de ça quand ils font leur truc là. Demandez la permission au moins aux gens. Est-ce que je peux? Et puis la personne dit « Oui, d'accord, ok, on fait. » Mais quand tu viens forcer, comme des fois dans ta page, il y a des gens qui viennent en inbox. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Ceux-là, là, même, ils m'énervent jusqu'à je ne sais même pas à quel point. Je les bras en même temps maintenant. Maintenant, je bloque en même temps, automatiquement. Je ne réfléchis même plus. Je n'ai plus envie de m'énerver pour rien. Je bloque en même temps. Bah, je passe à autre chose. Et puis, sans regret, même si c'est mon grand-père qui est revenu pour faire ça, je n'ai pas le problème. Pour dire que ce sont mes amis ou bien des gens que je connais. Pas le problème. Sincèrement, il faut qu'on change nos façons de faire là. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique que ça existe, ce genre de choses là. De façon générale, quoi. Parce que je sais qu'on va parler de la Corée, il y a des chrétiens en Corée qui sont dans la rue, qui font évangélisation, mais ils sont vraiment un petit nombre par rapport à la culture générale qu'il y a dans ces pays-là. Mais chez nous en Afrique, là, c'est là même on exagère en tout. On exagère en tout. Par exemple, pour faire croire aux gens, aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a deux jours là, une dame musulmane apparemment, par rapport à ses habits et par rapport à sa posture de prière, elle était sur l'eau, sur un tapis, en train de prier, et puis les gens avaient l'impression qu'elle flottait sur l'eau. C'est devenu un tollé sur la toile. Ouh! Il y a certains musulmans, oh, mashallah, hey, Allah est trop fort, hey, voilà. Les autres disent, ça c'est pas, il y en a d'autres, c'est pas dit, c'est ceci, cela. Aujourd'hui, on montre, on dit, non, c'est une table qu'il y avait en bas, là, déposé tapis dessus, qui était à la hauteur de l'eau, et puis voilà, c'était juste le truc. Et il y a plein de gens qui font plein de conneries comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, le sensationnel. Pour je ne sais pas si c'est Dieu qu'on veut blaguer, ou bien si c'est les êtres humains qu'on veut blaguer pour pouvoir les amener dans notre congrégation pour bouffer leur jeton. Je ne sais pas. Mais apparemment, la dernière version de ce que j'ai dit là, on peut en dire que c'est ça. Parce que maintenant, même aujourd'hui, il y a un combat dans les églises pour avoir le plus de fidèles possible. Ils veulent plus de fidèles possible. C'est pas à cause de Dieu, bien c'est à cause de la quête. Soyons logiques. Soyons vraiment honnêtes. Pour une fois, soyons honnêtes. Quand on veut avoir beaucoup de gens dans l'église, c'est pour la quête ou bien c'est pour Dieu que tu n'as jamais vu ni entendu d'ailleurs. Donc, tout ça là, ça fait partie des problèmes capitaux que nous avons en Afrique. Qui nous retardent, qui nous mettent en retard. Chacun est libre d'avoir sa spiritualité, sa religion, pas de problème. Mais arrêtons d'essayer de contaminer les autres, d'essayer d'influencer les autres au détriment du vrai combat où on doit s'influencer. Joe, on n'est pas libre, on n'est pas indépendant, on a plein de problèmes, on n'est pas autosuffisant sur le plan alimentaire, on n'est pas autosuffisant. On a problème, on ne mange pas à notre faim. Ce que les gens nous donnent, là, ils nous donnent des choses qu'on peut planter ici, mais qui viennent de l'extérieur. Pour
ne plante pas ça ici? Pourquoi on ne fait pas cette nourriture ici? Pourquoi on ne fait pas tout ça là ici pour que vraiment ce soit tellement vulgarisé qu'on soit dégoûté de nourriture? Et que vraiment maintenant, comme la nourriture n'est plus un problème pour nous, on peut maintenant réfléchir à inventer, à fabriquer des choses, à changer notre environnement, à changer notre truc, parce que vraiment, la nourriture ne fait pas partie de nos soucis. Pourquoi on ne s'influence pas pour ça? Mais on va s'influencer pour les histoires de religion. Là, là, les gens vont prendre un sérieux. Vous allez voir sur les pages. Vous allez voir des pages des groupes des musulmans, groupes des chrétiens, groupes des ceci, groupes des cela, mais groupes des gens qui réfléchissent pour trouver à manger, pour planter les choses, pour faire une politique d'autosuffisance alimentaire. Ça n'existe pratiquement pas. À part ma reine tout à l'heure qui est venue, ma queen, Ditimi, qui fait son travail, qui parle. Mais même ça, quand elle parle là-même, les gens veulent la tuer. Les gens sont fâchés. Ils veulent la tuer. Alors qu'elle parle de ce qui est vital pour nous. Mais non, forcément, c'est où il y a affaire des papas, comment ils appellent leur pasteur? Papa pasteur bien, papa imam ou bien maman, pastrice ou bien maman. C'est les choses comme ça que les gens prennent à cœur vraiment, quoi. Alors que, concrètement parlant, ça ne donne rien de positif à l'Afrique. Peut-être que ceux qui sont morts, là, ils sont en haut là-bas, voilà, comment ils ont prié sur terre, là. Leur vie en haut, ou bien je ne sais pas où, en bas, ou bien je ne sais pas où, ça, où ils sont là. Là-bas, c'est le paradis, mais personne n'est parti encore. Et que, quand on est vivant sur la terre, là, c'est là qu'on doit profiter de la vie. C'est là qu'on doit profiter du bonheur. Parce que de notre vivant, on doit avoir clair dans cette histoire de bonheur. C'est pas quand tu es mort, tu ne connais pas là, que tu vas aller maintenant être dans un autre état pour constater qu'il y a autre chose ailleurs. Non, de ton vivant, il faut que tu manges à ta faim. Il faut que tu te soignes. Il faut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu sois avec les gens qui sont bien autour de toi. Il faut que tu ris, tu profites de la vie qu'on t'a donnée. Il faut que tu sois vraiment heureux, tranquille, zen, pas inquiet. Que tu sois bien dans ta peau. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comment tu vas prier ou bien? Combien tu vas, je sais pas, dans quel groupement tu vas aller pour que ton état soit comme ça là? C'est où tu vas et puis maintenant, tu es en paix avec toi-même. Où tu ne mens pas. Par exemple, j'ai fait un post la dernière fois où j'ai parlé de béatitudes. J'ai dit, moi, vos béatitudes, je ne suis pas dedans. Heureux les affligés, heureux les malheureux, heureux les ceci, cela. Je trouve ça comme, c'est bouché. Fais l'emblée de la famille, comment tu vas, mon frère? Parce que je ne peux pas admettre de mettre cette philosophie psychologique négative là dans ma tête. C'est-à-dire que dans mon état de pauvreté, là, je dois être content. Mais c'est de l'hypocrisie avec un grand H majuscule. Dans ma misère, là, dans ma pauvreté, là, moi, je dois être content. Je dois être heureux. Ah, les gars, vous-même, faut voir. Vous-même, faut voir. Ça, c'est pas un... C'est-à-dire que puis, c'est doux. C'est en douce comme ça. Hein. On dit aux gens, on donne ça aux gens comme ça. Et puis, en douce comme ça, les gens finissent même par se comporter comme ça. Les gens finissent même par croire que Dieu... Bon, nous tous, on est malheureux, on est pauvres. Hein. C'est vrai, hein, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pas grave. On n'a qu'à prier. Ça va aller. Ça va aller. Et entre-temps, chacun meurt un à un de faim. Mais c'est débile. C'est complètement débile d'avoir un comportement comme ça. Joe, on est malheureux. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est malheureux. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous rend malheureux. C'est quoi? Réglons ce problème. Ensemble, réglons le problème pour ne plus qu'on soit malheureux parce que, par exemple, parce qu'on a faim. C'est pas normal. Quand tu regardes là, par terre, là, le sol, il est fertile. Il y a tout. Ce que tu plantes, ça pousse. Mais pourquoi on va avoir faim si on est sur une terre où les choses poussent? Qu'est-ce qui se passe? Qui nous empêche de planter? On va essayer de planter pour voir. Maintenant, la personne qui a dit non, ne plantez pas là. C'est là, on va te demander, mais toi, quel est ton problème? Quel est ton problème? Il y a quoi? Pourquoi tu nous empêches? Pourquoi dans tous les bas-fonds, par exemple, de l'Ouest, là, où il y a les montagnes, là, les Chinois, d'après ma quid, Ditimi, elle dit, les Chinois font rizière sur les montagnes. Pourquoi nous, on ne peut pas faire rizière dans toute la région de Man? Pourquoi on ne peut pas faire rizière de telle sorte qu'on soit dégoûté du riz? Tellement il y en a. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Et les jeunes dans les coins là-bas, là, ils sont tous au chômage, en train de se promener, boire, mourir les petites filles, là, comme elle dit, de 14 ans, les enceintes, puis les petites filles, là aussi, bêtement, ah, c'est Dieu qui donne, hein, c'est Dieu qui donne enfant. Oh.
c'est Dieu qui m'a donné. Ah, vraiment? Et si là, c'est Dieu qui m'a donné. Imbécile. Quand toi, tu veux. La vie est courte. Hein? Je me rappelle ce qu'elle a dit. La vie est courte. Donc, toi, quand tu vas mourir, qui va s'occuper de ton enfant? Qui va s'occuper de ton enfant que tu as fait? Les choses sont là devant nous, hein, mais les gens vont trouver qu'ils ont fait. Ils vont t'appeler. Hey, le sac de riz est fini. Hey, et vraiment, il n'y a plus de banane. Hein? On ne peut pas faire foutu. Hey, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Pourtant, tu es assis sur une terre qui est riche. Mais c'est quelle imbécilité, ça, là? Quelle que soit ta religion, comment tu peux. Ça prouve que même dans tes trucs-là, même il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu es dans une religion et puis tu n'es pas capable de réfléchir à ton problème immédiat, là, la fin. Que tu sois musulman, chrétien, animiste ou bien quoi. Toi, ton problème, là, tu ne l'as pas réglé. Mais tu es, oh Dieu, et puis, oh Dieu va faire, oh prions, oh là là, prions. Mais. Vraiment, comme la chanson du petit, là, il dit, oui, Dieu donne balance, Dieu ne m'épelle pas, foutu. C'est ça. Oh Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Et puis, d'abord, ton beau, machette ton beau, avec les grains qui tombent beau. Maintenant, toi-même, tu vas te lever maintenant pour faire trou, pour mettre dedans, aller chercher l'eau, arroser. Tu vas travailler. Maintenant, au pays, là, qu'est-ce qui nous empêche de travailler? Voilà le vrai problème. Qu'est-ce qui nous empêche? Ou bien, si on n'a pas de vision, on est bête. Et puis, on ne sait pas qu'il faut planter pour manger. On est assis là. Les leaders politiques. Il n'y a pas un qui peut se lever pour dire, les gars, allons au champ. Lui-même, il se met devant, il remonte ses manches, il enlève son costume, ses cravates, met son t-shirt, avec son short, ses bottes, et puis maintenant, il est devant un machette. On s'en va tous au champ pour commencer. Parce que quand on va commencer, on va planter les choses, on va récolter, on va manger, on sera assis, on sera bien rassasié. Là. C'est là qu'on va commencer maintenant à regarder les trucs. Ah, la maison, elle est penchée. Hein. Attends, on va essayer de mettre ça un peu droit. Ah, ça là, c'est la route. Il n'y a pas de route ici pour aller tout. Attends, on va commencer à faire des blés parce qu'on a la force, on a mangé. Mais si tu as faim, mais quand tu as faim là, c'est là que vous allez comprendre, par exemple, les politiciens qui font exprès de ne pas pousser les jeunes à travailler, à planter, à faire toutes ces choses pour être autonomes. Parce que quand tu n'es pas autonome, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas toujours courir dans les bureaux des politiciens pour demander 500 francs, 1000 francs, ou bien je ne sais pas combien ils te donnent. Tu es obligé toujours d'être en bas des gens là, des honorables, des ceci et des cela là, qui viennent, qui donnent enveloppe pour le maracana ou bien la kermesse de l'école, ou bien tous ces gens de bêtises là. Les gars, c'est toujours les boss qui viennent avec les gars du col, les gros 4x4. C'est eux, ils vont jamais vous dire de venir autonome parce qu'ils veulent que vous veniez toujours vers eux pour tendre la main, pour être des petits mendiants à tous les niveaux de la société. Aucun ne va vous dire, non les gars, je veux plus que vous soyez mendiants. Je veux que, à partir de dans 3 ans, avec le programme que je vais vous donner là, vous tous, vous êtes dans vos maisons, puis vous mangez à votre faim. Vous n'avez plus envie de demander 5 francs à qui que ce soit, parce que vous avez le minimum pour vivre. Ça, il y a besoin d'aller prier, je ne sais pas quoi pour ça. Il y a besoin de se mettre dans la fête d'église, pour ça, dans ça là, ou bien dans la mosquée, ou bien dans ceci, cela. Non, c'est juste la volonté politique. Voilà pourquoi je vous dis que moi, je veux rentrer maintenant dans la politique pour aller faire le paramètre. Pour montrer aux gens que voilà, on commence par là d'abord. Parce qu'il y en a marre. Je suis fatigué qu'on va comme des idiots. Tout le monde entier, quand il nous regarde, nous prend pour des bêtes, pour des animaux. Pourquoi? Parce que les gars, même des fois, même, je me dis que un continent comme l'Afrique, et là, les gens, ils sont assis là-bas et puis ils sont malheureux. Ah, si c'était nous qui avions ça, là. Si c'était nous qui avions ce continent-là. Ah, ce qu'on allait faire avec. Mais regarde les gens, ils sont en train de danser, c'est mourou, c'est promener, s'amuser, et puis maintenant ils dorment dans tous les lieux de prière, et puis maintenant la terre là, elle les regarde, et puis ils pleurent pour qu'ils ont faim. Mais c'est que c'est pas des hommes, parce qu'un homme peut pas réfléchir comme ça. Voilà comment les gens nous voient. Il est temps de changer maintenant notre setting. Il est temps de changer notre façon de faire les choses. Maître Zoku, je crois que j'ai beaucoup parlé, hein. Tu vas faire ta conclusion. Oui, donc ce qu'on peut dire par rapport à notre thème, c'est que essayons de garder la mesure et puis évitons de penser qu'on doit gagner les âmes par tous les moyens. Ça nous fait faire beaucoup d'erreurs spirituelles. Je donne un petit exemple. Quelqu'un qui est là, il a des révélations et puis il livre des paroles de connaissance. Oui, mon frère, l'esprit me révèle que tu as un mal au niveau du dos, et puis effectivement, c'est vrai. Ça, on peut appeler, dans certains milieux, on appelle ça des intuitions. Tout de suite, la personne est épatée. Et
à travers ce que tu as dit, sans qu'elle ne t'en donne l'information, elle est prête maintenant à accepter tout ce que tu vas dire. Mais dans les faits, selon les lois spirituelles, ça c'est de la manipulation. Tu as manipulé sa naïveté pour lui faire adhérer à quelque chose. C'est-à-dire, laissons les gens eux-mêmes là, ils vont voir que la chose, ça leur convient, tranquillement, à froid, et puis ils vont adhérer. Ne mettons pas de pression ou bien n'impressionnons pas les gens, parce qu'il y a des esprits naïfs. Moi, tu viens me décrire ma vie sans que je n'étais informé, mais tout celui-ci est épaté. Donc, il y a des manières de gagner des âmes en épatant les gens, ou bien en donnant des témoignages. Bon, tu vois que le bonhomme, il a un problème, une maladie de sang, et tu viens, tu dis, mon frère, viens et tu seras guéri. Moi, j'ai un cousin là. Il avait la même maladie, il est venu, il a été guéri. Tout de suite, pas parce que la personne même est consciente que Jésus a donné sa vie pour elle, mais tout de suite, pour ce que tu viens de dire là, ça l'attire, parce qu'il a besoin de ça. Il va donner sa vie à Jésus. Donc, évitons d'amener des gens à donner leur vie à Jésus ou bien d'embrasser une foi pour des raisons superficielles. Que ce que les gens oublient, toi qui manipules un peu l'esprit de l'autre comme ça, ben tu fais en toi ça des lois spirituelles que tu peux plus tard, qui peuvent à la longue te punir. Donc voilà, gardons le sens de la mesure, c'est important. En toute chose, interrogeons-nous, interrogeons la sagesse, interrogeons le bon sens pour rester dans les limites. Parce que le zèle sans retenue, ça nous amène à commettre beaucoup de fautes spirituelles qu'on paye d'une manière ou d'une autre. Donc voilà ma conclusion. Merci mon frère. Alors il est temps maintenant d'aller reprendre mon boulot. J'ai fini ma pause. Paul Vert voulait participer, mais je l'ai invité depuis là, il n'a pas réagi. Donc on se retrouve dans une autre vidéo, je ne sais pas quand, en fonction du feeling. Si jamais peut-être ce soir, ça nous prend. On va refaire une vidéo ce soir pour compléter le sujet. Si vous nous envoyez maintenant des messages en inbox, ou bien vous commentez dans la vidéo, si vous avez envie qu'on parle de ça, vous envoyez votre message et puis on en reparlera. Mais pour aujourd'hui, voilà ce qu'on voulait vous dire, quoi. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Fanta, Fantous, gros bisous à toi, maman. Merci d'être là. Et puis, je sais que tu vas regarder la vidéo après en replay. Et on est ensemble, comme on dit. On avance. Maintenant, il est grand temps de s'unir. L'union sacrée autour de notre continent Kama, autour de nos libertés individuelles, autour de notre vision d'un continent où nos enfants et nous-mêmes, nous serons heureux de vivre sur cette terre-là, où les enfants ne vont plus rêver d'aller à l'extérieur de l'Afrique, mais ils vont plutôt, tous ceux qui sont dehors de l'Afrique vont rêver de rentrer en Afrique, à Kama, pour profiter du paradis terrestre que le Créateur, l'énergie créatrice nous a donné. Ça, là, il faut qu'on réussisse à créer cet égrégore puissant-là, cette force spirituelle puissante-là, pour que les gens puissent vraiment ressentir ça au plus profond de cet appel de Kamala autour du continent pour vraiment faire travailler tous les fils de ce continent-là et en sorte que le bonheur, là, le vrai bonheur, là, on l'apprécie quand on l'a gagné. Voilà. Parce qu'on ne va pas le perdre. On va apprécier le bonheur là de notre vivant. Pendant qu'on est en train de travailler, on va apprécier ce bonheur-là. Le moment est venu pour faire ça. Et on peut le faire et c'est faisable. Mais seulement, c'est dans l'union sacrée entre musulmans, chrétiens, animistes. Quelles que soient vos croyances, on n'a pas besoin de vos croyances pour faire le bara. On a besoin de votre force, de votre volonté. On a besoin de votre intelligence. On a besoin de votre apport. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, chacun chez lui, dans sa croyance, comme il veut, il fait ce qu'il veut. Le plus important, c'est que la force que tu auras quand tu vas, ça va nous aider à mettre Kama où il faut. Je suis Bois Kouassi à Série Fixe. Peace. Restons unis. Merci. Il est l'heure, Paul. J'essaie de t'inviter, mais ce n'est pas passé. Il est l'heure. Tu veux que je sois en retard, quoi. Tu veux que je garde mon boulot. Ce soir, si tu veux, laisse un message. Si vous voulez qu'on continue la vidéo, ce soir, on va continuer. Merci.